Eh bien voilà, je suis dehors ce matin, le temps le permet à Saint-Rémy. Je vous envoie déjà beaucoup de douceur, beaucoup de joie. Et puis bienvenue dans ces intentions matinales. Comme vous le voyez, le soleil est déjà bien levé. Je suppose qu'il va faire doux, je suppose qu'il va faire merveilleux. C'est du moins ce qu'ils annoncent. Et donc je vous envoie toute cette douceur, toute cette joie. L'intention du matin, eh bien, je choisis de vivre dans la joie. Nous avons très régulièrement des situations de vie qui sont compliquées. Nous recevons des informations venues du monde qui sont encore plus compliquées. Eh bien, je choisis chaque jour de vivre dans la joie. Peu importe ce qui se passe autour de moi, il y a des choses merveilleuses. Les médias nous envoient plein d'informations qui sont très très anxiogènes, alors que quand moi je me promène tout autour de moi, je vois des gens souriants parce que je les accueille avec le sourire. Et j'en suis donc cet arbre de paix, cet arbre joyeux, cet arbre souriant, et je vous invite vous aussi à être ce grand arbre de paix. Souriant, joyeux. Je vous invite vous aussi à vivre dans cette forêt d'arbres de paix. Alors, je vous invite à poser votre colombe de paix et d'amour sur le cœur et puis de laisser entrer cette belle intention du matin afin de la faire vivre toute la journée. Et on inspire lentement. On accueille cette intention. Je choisis de vivre dans la joie et je repartage. Encore, on inspire. On accueille. Et on repartage. Et on recommence. On inspire. On accueille doucement ces merveilles. Et on repartage. Et on continue à inspirer lentement. On imagine que de nos pieds, il y a des racines qui s'enfoncent dans le sol. Et mes racines vont retrouver les tiennes. Et toutes celles de toutes ces personnes qui vivent chaque jour ces intentions matinales. Et qui les vivent en direct et qui les vivent en différé. Et ensemble, nous prenons le temps de nourrir notre arbre de paix, afin de nourrir cette grande forêt d'arbres de paix. On ressent la puissance de l'univers. On l'accueille dans notre cœur et on repartage. Encore et encore. Merci infiniment. On accueille la puissance de la lumière et on la repartage. Je choisis de vivre dans la joie, oui! Je ressens cette intention en moi. Je la partage avec chacune de mes cellules. Je la fais vibrer en moi. Un sourire se dessine et je le laisse s'épanouir. Comme c'est bon de vivre ce moment avec toi. C'est bon de me sentir en sécurité. Comme c'est bon de remplir mes pensées de joie, afin qu'elles rayonnent autour de moi.
Je choisis la puissance. Je choisis la joie. Je choisis le bonheur. Je choisis la vie. Ça fait du bien d'être là, oui. Je t'invite maintenant à partager toute cette joie avec la colombe de paix. Je t'invite, avec les yeux fermés ou avec les yeux ouverts, à ouvrir ce nid de la colombe et à l'envoyer vers la caméra, de façon à ce que toutes les personnes qui sont là puissent recevoir cette colombe de paix, puissent recevoir cette intention. Et puis à l'envoyer dans le monde. Allez, va, va distribuer ces intentions, va distribuer ta joie, va distribuer cet amour que nous venons de partager ensemble, toi et moi. Que nous venons de partager avec l'univers. Nous envoyons notre puissance, nous envoyons notre lumière, nous envoyons notre amour, et puis nous accueillons. Nous accueillons toutes ces intentions qui nous reviennent. Comme ça fait du bien. Merci infiniment. Ah oui, eh bien oui, vraiment, je suis en joie. Je vois le grand maître derrière, le grand arbre de paix, mon arbre de paix derrière, qui est bien illuminé par le soleil, par la lumière. Et ça me rend très très heureux d'être ici, de vivre ces moments avec toi, qui est là. Alors, je t'invite à nous dire qui tu es, je t'invite à nous dire d'où tu viens, et puis à partager ces moments. Partager ces grands moments de puissance, ces grands moments où nous pouvons retrouver notre puissance, la ressentir à l'intérieur de nous. Et à chaque fois que nous avons un moment de doute, eh bien, je vous invite à remettre notre colombe de paix et d'amour sur le cœur, afin de ressentir sa force et sa grande puissance. Je te souhaite une excellente journée, remplie de joie, évidemment. Et puis je te dis à demain, mais pour engrammer une nouvelle intention. Et ce n'est pas parce qu'on engramme une nouvelle intention que celles d'hier ont disparu, nous pouvons les retrouver à chaque fois que nous mettons les mains sur le cœur. C'est cela aussi. Ici en dessous, tu peux trouver d'autres intentions. Tu peux les retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet. Alors vas-y, partage, partage. Excellente journée à toi. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky.